إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَاشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد «Tayyib». Donc, nous sommes dans la conclusion du chapitre numéro 6. Non, du chapitre numéro 7 plutôt. Non, 7. Donc, avant d'entrer dans le chapitre numéro 8, el Fausen nous dit pour terminer ce chapitre numéro 7. Donc en ce qui concerne l'argumentation du Shirk el Akbar, du grand polythéisme, du polythéisme majeur, pour le polythéisme mineur, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent, que les compagnons s'argumentaient des preuves des versets des preuves pour le, du, du polythéisme majeur pour le polythéisme mineur c'est-à-dire ils se servent des versets qui blâment qui parlent du polythéisme majeur pour blâmer les, aussi le polythéisme mineur donc le shirk nous dit à l'exemple euh, de ce que nous a indiqué Ibn Abbas anhu Ibn Abbas Ibn Abbas de la parole d'Allah ta'ala dans sourat al baqarah lorsque Allah ta'ala dit Fala wa Et ne donnez pas d'ego à Allah, d'égal à Allah, alors que vous savez. Alors que vous savez. Ou Et il a dit aussi Ibn Abbas. Euh, en ce qui concerne le polythéisme, il a dit aussi c'est le fait qu'un homme hein, ait dit « Masha'Allah » par la volonté d'Allah « et la tienne ». Et le fait de dire aussi « Et si ce n'était Allah et toi ?» Donc tout ça, le verset là euh, qu'on vient de citer, c'est pour le grand polythéisme et de ne pas dégo à Allah alors que vous savez. Et là, il cite des hadiths qui qui, qui, euh, qui démontre le polythéisme mineur. Donc, comme quoi les Sahaba s'argumentaient des deux pour les deux. Euh, le fait de dire aussi, Fassarna bi Fassaraha, ou Ama et tout ce qui y ressemble hein, parmi les, les hadiths, comme ceux, à l'exemple de ceux qu'on vient de citer qui font allusion au polythéisme mineur. Pourquoi Parce que le verset précédent, comme on vient de le dire, Shukh al nous dit, euh, le verset qu'a utilisé Ibn Abbas, « Et ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Hein, » Ce verset comprend le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Donc Ibn Abbas s'est argumenté de ce verset Donc également Hudayfah de l'Yémen, radiallahu anhu, s'est argumenté par ces versets euh, De ce qu'elle, euh, de ce que ces versets indiquait, c'est-à-dire de grand ou petit polythéisme. Parce que, nous redit Shir al ces versets comprennent le grand polythéisme et le petit polythéisme, polythéisme mineur. Alors, Shir al nous dit certains parmi les musulmans croient en Allah dans l'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Certains parmi les musulmans Croient en Allah dans l'unicité de la Seigneurie et l'unicité de la Divinité. Mais il se produit chez eux quelques polythéismes mineurs. Mais il se produit chez eux quelques polythéismes mineurs. Celui, hein, celui qui, renie, euh, qui fait la négation, plutôt, pardon, la Yunafi qui ne fait pas la négation de la foi, c'est-à-dire celui qui ne vient pas annuler la foi. Cyril Fausen nous dit cela nous indique la mise en garde hein, contre le polythéisme. Ce qu'il faut être comme quoi il faut être en garde contre le polythéisme. Et que si cela se produit, c'est-à-dire le petit polythéisme et que s'il se produit chez certains croyants, ça veut dire que la personne n'est hein, pas à l'abri, n'en est pas à l'abri pour lui-même, pour elle-même. Hein. Il doit demander la protection d'Allah contre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Contre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. En disant, hein, il dit, c'est-à-dire l'invocation contre le polythéisme. Allahumma Donc, voilà, je te demande protection contre le polythéisme qui est connu, que je connais, et je te demande pardon hein, pour le polythéisme, comme je te demande pardon pour le polythéisme, que je ne connais pas les péchés, les hein, obéissances que je ne connais pas. Donc dans une invocation connue, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, dans une invocation connue, « a'ouzou shak wa shirk wa kufr wa » Donc dans une invocation connue, Shir al fawzan nous mentionne une invo invocation connue qui est ⁇ Et euh, je te demande protection, Allah bien entendu, contre les doutes, le polythéisme, la mécréance, l'hypocrisie et les mauvais comportements. ⁇ Wafidoua dans une invocation connue. Aouzoubika, je te demande protection contre le doute, le polythéisme, la mécréance, l'hypocrisie et les mauvais comportements. Donc, le musulman doit avoir peur pour lui-même. Le musulman doit avoir peur pour lui-même et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être protégé, préservé, protégé dans ces affaires-là, dans ces choses-là, et le musulman ne doit pas se recommander lui-même, c'est-à-dire hein, se donner une posture plus qu'il n'en est. Voilà, Yatman à la qu'il ne se croit pas, hein, qu'il ne se sent pas à l'abri, qu'il ne se sente pas à l'abri. Il n'est pas en sécurité pour lui-même. Et bien entendu, si on veut appuyer ça par des preuves, par des preuves, on prend juste Ibrahim ali salem comme on l'a vu précédemment dans les chapitres précédemment. Et il y aura un chapitre justement euh, concret, euh, euh, un chapitre réservé à cela, c'est que Ibrahim Alayhi malgré, salem malgré son rang, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme ami am amitié cette amitié là les ulama nous disent que c'est le degré le plus haut d'amour il l'a pris comme ami et Ibrahim le père des prophètes abul anbiya euh, celui qui a concrétisé la parole de tawhid et avec ça il ne se sentait pas en sécurité contre le polythéisme lorsqu'il lorsqu dit dans le Qur'an O bani bani et Asnam et, pas, et éloigne-moi moi et ma descendance de l'adoration des, des statues des idoles. Donc on sait bien qu'Ibrahim Ali Salam Ali Salam avec la position la posture qu'il avait, il avait peur du polythéisme. Donc qu'en est-il de d'autres que Ibrahim? طيب donc ça, c'était le chapitre numéro 7. Maintenant, nous entrons, nous allons entrer euh, dans le chapitre numéro 8. Dans le chapitre numéro 8. wa tamaim Concernant le chapitre concernant les formules de conjuration les amulettes. Donc le chapitre concernant les formules, les formules de conjuration et les amulettes. Taïb. Wafis Sahih an Abi Bashir al Ansari anhu كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير في رقبة في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت طيب alors en français Dans le recueil de hadiths authentiques, Abu Bachar al-Ansari rapporte qu'il était aux côtés du prophète durant un de ses voyages, lorsque ce dernier envoya une personne ordonnée aux gens de couper tous les colliers ou les boyaux accrochés au cou des chameaux. Donc, al-Fawzan nous dit que l'auteur, Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahab, nous dit le chapitre des formules de conjuration et des amulettes concernant les formules de conjuration et les amulettes a yi maja'a 'anina rasoul wa 'ani as-sahaba wa at-tabi'in min al-ahadith wa al-athar fi an-nahy 'ani ar wa at-tamaim donc le shir nous dit, Shir al-Fawzan, Allah, c'est-à-dire ce qui nous est parvenu du messager d'Allah, des compagnons, de ceux qui l'ont suivi. Donc Shir al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire ce qui nous est parvenu du messager d'Allah, des compagnons et des tabi'in. Les tabi'in, c'est ceux qui viennent après les compagnons. Parmi les ahadiths, et les récits parmi les hadiths le hadith c'est hadith au pluriel hein. parmi les hadiths et les récits de l'interdiction de l'interdiction des formules de conjuration et des amulettes de l'interdiction des formules de conjuration et des amulettes alors wa donc et ce chapitre convient plutôt et la convenance de ce chapitre par rapport à celui qui le précède et la convenance de ce chapitre par rapport à celui qui le précède, c'est-à-dire celui qui le précède, le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de porter des anneaux, des fils ou autres, et le fait euh, pour euh, éloigner euh, le nuisible ou de s'en protéger, de s'en défendre. Ça, c'est le chapitre précédent. Alors le chiffre, il va nous dire quelle est la convenance entre... Eux le chapitre précédent est celui euh, que, nous, que nous avons ici. C'est que ce chapitre ici, ce nouveau chapitre que nous entamons, chapitre 8, il complète, il est un complément, il vient compléter le chapitre précédent. Il vient compléter le chapitre précédent. Alors Cheikh al nous dit parce que parce que le fait de mentionner un autre genre le fait de mentionner un autre genre que celui qui est mentionné dans le chapitre précédent le fait de mentionner un autre genre que celui qui est mentionné dans le chapitre précédent est un complément du chapitre qui suit. Alors Shirel-Vosen nous dit, mais, mais, dans le chapitre précédent, comme on peut le constater, un hein, mais dans le chapitre précédent, Le fait que le fait de porter euh, anneau, fil ou autre, il est spécifié que c'est du polythéisme. Mais dans le chapitre précédent, le fait de porter anneau, fil ou autre, il est spécifié que cela est du polythéisme. Il y est spécifié que cela est du polythéisme. Tandis qu'ici, hein, cela n'est pas, pas mentionné, n'est pas spécifié. Dans notre chapitre ici, ce n'est pas mentionné que c'est du polythéisme. Puisque, puisque dans le chapitre ici, dans le chapitre entamé ici, on nous dit concernant les formules de le chapitre concernant les formules de conjuration à et les amulettes ce qui nous est parvenu des le chapitre de ce qui nous est parvenu des formules de conjuration et des amulettes wa Cheikh al fawzan nous dit « Ceci fait partie de la précision, de la compréhension et de la connaissance de l'auteur. » C'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, cela fait partie de sa précision dans sa compréhension et dans sa, dans sa connaissance. « Rahimahullah fa'innahu kana al-hukm donc, si du fait que si le jugement, du fait que le jugement dans le titre du chapitre, il soit clair et qu'il soit argumenté par un texte. C'est-à-dire le hadith qui est mentionné ici dans le chapitre, le, le titre du chapitre. Alors, du fait que le jugement est clair, le jugement, comme quoi c'est du polythéisme, entre parenthèses, hein, le jugement ici il est clair et il est argumenté hein, par le hadith qui est mentionné, c'est-à-dire le hadith de Abi Bashirin al-Ansari. وإذا كان الحكم فيه وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم لا يزم فيه الترجمة وإنما يورد الأدلة في باب في الباب ويأخذ منها الحكم مفصلا donc tandis que si le jugement est détaillé ou a besoin d'un détail il est, déda, il, il, il est détaillé alors là Le shihr, il mettra les infos dans le, il dira directement le jugement. Donc ceci fait partie de la précision dans la jurisprudence, dans la compréhension. Ceci fait partie de la précision. A rahimahullah, qu'avait le al-Islam euh, ibn Abdul Wahhab, Wa shiddatihi an naham. Et euh, cela fait partie aussi de la force de la force, hein, force qu'avait euh, Sheikh pour euh, donner euh, le jugement légiféré. Par rapport à... Euh, donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles l'étudiant le, en sciences doit être éduqué. Hein. C'est une bonne éducation, ça fait partie de ce sur quoi l'étudiant en sciences doit être éduqué à cela. Le en fait de confirmer le hukm, le jugement d'une chose, d'être raffermi sur celui-ci hein, euh, Ceci parce que Sch dit parce que c'est une affaire très dangereuse parce que cela est une affaire très dangereuse. Donc là c'était l'explication, hein, le sheikh il a fait une explication juste sur le titre. Donc à propos de ce compagnon qui a rapporté ce hadith à Bashir anhu, Shir al fawzan nous dit c'est comme cela hein, que son nom, sa kunya est connu. C'est comme cela qu'on connaît sa kunya. On ne connaît pas son nom. Comme nous l'a mentionné Ibn Abdelbir. On ne connaît pas à ce compagnon son nom. Ce, 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 euh, la connaissance de son appellation, c'est sous sa Abibashir al-Ansari. sallallahu alayhi wa sallam fi asfarihi. Comme quoi ce compagnon était avec le prophète ali wassalam, hein, euh, dans quelques-uns de ses voyages. Il a accompagné, il était aux côtés du prophète ali wassalam, durant un de ses voyages. Donc ici, Sheikh al-Fawzan nous dit il n'est pas mentionné avec exactitude, avec précision, de quel, il n'est pas précisé de quel voyage on parle n'est pas mentionné, précisé de quel voyage ici l'on parle. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cette précision. Alors, ensuite, lorsque ce dernier envoya une personne ordonnée aux gens, donc, lorsque le messager envoya une personne, Shir al-Fawzan nous dit c'est-à-dire un remplaçant, quelqu'un qui le remplace, quelqu'un qui est son remplaçant. Alors, la suite du hadith, ce dernier envoya une personne, ordonner aux gens de couper tous les colliers et tous les boyaux. Accrochés au cou des chameaux. Alors, Cheikh al fawzon nous dit parce que dans la Jahiliya, dans la Jahiliya, l'époque pré-islamique, que faisaient-ils les Arabes? Ils accrochaient, ils accrochaient des colliers, ils accrochaient des colliers. De bois, ou des boyaux accrochés au cou des, des animaux, des chameaux. Ils avaient la croyance que cela défendait contre le mauvais oeil et contre le mal, ce qui est nuisible. Ils avaient la croyance que cela défendait contre le mauvais œil et ce qui est nuisible. donc le messager d'allah, le prophète salam a voulu dissiper, dissiper, hein, faire partir cette habitude, cette coutume de l'époque de la jahiliya, de l'époque pré-islamique le messager d'allah, le prophète, a voulu faire partir cette habitude, cette coutume de la jaheliya et il a voulu faire reconnaître l'unicité et il a voulu faire reconnaître l'unicité Donc, c'est ce que Charles Frozen nous dit, c'est ce qu'on accroche au cou. Donc, ici, c'est traduit par des boyaux que l'on accroche au cou. Alors. Euh, tout ça, hein, tout ce qu'ils accrochent, hein, c'est des, des boyaux, des colliers, euh, euh, parce qu'ils ont la croyance que cela, ils, ont, ils avaient la croyance que cela, et cette croyance existe toujours, bien entendu. Hein, euh, la croyance que cela, ou des coquillages, hein, euh, défend contre le hine, hein, défend le chameau, hein, carrément. Et ça défend, ça protège le chameau contre le mauvais oeil. Donc, dans tous les cas, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a ici la preuve de l'interdiction de ces choses-là. Que ce soit avec des boyaux ou avec autre chose, des colliers. Hein? Le Cheikh nous dit euh, que ce soit ces colliers-là, qu'ils soient faits avec des boyaux ou qu qu'ils soient faits avec autre chose, euh, c'est c'est euh, du polythéisme et cela est interdit. Donc, ici nous avons la preuve de l'interdiction de ces choses-là, quel qu'en soit le genre, quel qu'en soit le genre. C'est-à-dire que ça soit avec des boyaux ou pas. Donc le nous dit ici nous avons la preuve de l'interdiction de cette chose-là, quel qu'en soit le genre, c'est-à-dire que, que ce soit avec des boyaux ou avec autre que des boyaux. Tant que le but, tant que le but c'est une croyance pervertie. Tant que le but hein, est une croyance pervertie. Fausse croyance quoi. Donc quelle que soit la matière utilisée, fil, euh, tout ce que vous voulez, des hein, boyaux, euh, quelle que soit la matière utilisée, ceci est du polythéisme et cela est interdit. Alors. Chiral Fausen nous dit tandis que si ce sont des des, euh, des matières que l'on utilise comme des boyaux, etc., mais ce n'est pas dans un but de polythéisme. C'est-à-dire des. des C'est-à-dire des, des colliers. On utilise des colliers, mais ce n'est pas dans un but euh, de polythéisme. Là, ça sera autre chose. Alors, Donc, comme on a dit, hein, Shiri dit, euh, euh, même si à partir du moment où ce sont des, des colliers qui ne sont pas, qui sont faits mais qui ne sont pas dans un but de polythéisme, qui ne mènent pas au polythéisme, donc ça, il euh, n'y aura pas de euh, soucis sur ça. Taïyib il l'a On continue le hadith du prophète lorsqu'il dit euh, lorsqu'il dit ordonner aux gens de couper de couper. Donc là dans ça, lorsqu'il ordonna hein, le messager d'allah après il a ordonné de couper ses fils, ses, ses, ses colliers, tout ça. Donc dans ça, al Fauzen nous dit, il y a le fait de retirer le blâmable. Il y a le fait de retirer le blâmable. Donc ça, ça, je vous donne une petite faïda au passage, ça, vous verrez que c'est une règle assez générale dans tout ce qui est le monkar. C'est-à-dire dans tout ce qui est blâmable. Si on peut le retirer... Avec les mains, il faut le faire. Si on en a, Attention, la condition, c'est la possibilité, hein, la capacité. Mais si on en a la capacité, il faut le faire. C'est valable même pour les statues. Le Rulamain, si la dit, on va le voir dans un chapitre à la suite, si tu as la capacité euh, de ne pas laisser des statues, parce que statue égale shirk, alors tu devras éliminer les statues, les casser, etc. C'est-à-dire retirer le blâmable. إزالته إزالته Donc surtout nous dit Cheikh Al-Fawzan Si c'est un quelque chose de mauvais De blâmable Dans la croyance Alors là c'est sûr qu'il faudra Le Cheikh nous dit alors là c'est sûr qu'il faudra Le retirer alors, le shirk nous dit surtout si c'est quelque chose, un, un, un fait blâmable, quelque chose de mal, de blâmable, de réprimable, hein, qui touche là la croyance, le dogme. Alors là, c'est sûr qu'il faudra l'enlever. Alors, alors là, c'est une des conditions, c'est important aussi. Il y a le fait que le gouverneur ou lui-même. Il y a le, le, le fait que le gouverneur ou même peut envoyer un remplaçant pour retirer le blâmable. Il y a le fait que le gouverneur ou lui-même peut envoyer un remplaçant pour retirer ce qui est blâmable. Et ce n'est pas une condition qu'il le fasse directement lui-même. Et ce n'est pas une condition qu'il le fasse directement de lui-même. Donc, le point profitable de ce hadith. Le point profitable de ce hadith. L'interdiction d'accrocher des colliers sur les animaux, les montures. L'interdiction d'accrocher des colliers sur les animaux ainsi que sur les hommes. Ainsi que sur les enfants d'Adam, hein, ça comprend hein, mes Femmes, dans le but, donc interdit, l'interdiction d'accrocher des colliers pour les montures, plutôt les animaux, ainsi que les enfants d'Adam, dans le but de se défendre du, du la, la mauvais œil, dans le but de se défendre du mauvais œil parce que il n'y a qu'Allah qui protège du nuisible parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui protège de ce qui est nuisible et ce ne sont pas les colliers qui défendent contre le mal et ce ne sont pas les colliers qui défendent contre le mal ou qui font ou qui apporte l'utile. Ce ne sont pas les colliers qui défendent contre le mal ou qui apportent ce qui est utile. Et ce n'est pas une cause. Et donc ce n'est pas une cause. Et ce n'est pas une cause, c'est-à-dire le fait de prendre ces choses-là, des colliers. On l'a vu précédemment, cette règle. Ce n'est pas une cause de passer par des colliers ou autres pour, pour se défendre hein, du in, du mal. Mais tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Et ensuite et ensuite le Sheikh nous mentionne la parole d'Allah qui vient confirmer cela. Donc on l'a vu précédemment dans un chapitre précédent, Surat 39 Az-Zumar les groupes verset verset 38. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal Est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal Et si, ou s'il me voulait une miséricorde ou s'il me voulait, du, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde Dit Allah me suffit, c'est en lui que place leur confiance, ceux qui cherchent un appui. <'il y a eu> Donc. Naham. Donc, nous avons terminé pour ce hadith. Nous allons continuer le hadith qui suit. Wa'an Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, le deuxième hadith. Wa'an Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, Qala sami'atu rasulallah salallahu alayhi wa sallam, yaqul inna al wa wa'l-tama'im wa'l-tiwala. Donc, la traduction... Donc, la traduction en français, ça donne Ibn anhu a dit J'ai entendu le messager d'Allah, al le prophète, -salatu dire Les formules de conjuration, les formules de conjuration, les amulettes et les tiwala sont une forme de polythéisme rapportée par Ahmed et Abu Daoud. Donc, Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, nous dit Wa'an ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Donc, ibn Mas'ud, c'est Abdullah ibn Mas'ud, ibn Al Ghafil, al-Huzli, al-Sahabi, al-Jalil. Hein? Donc, c'est ibn Mas'ud, hein? le compagnon connu, le grand compagnon, qui faisait partie des gens de science, les imams, les grands imams. Hein? Euh, parmi les plus connus, parmi les compagnons. Il est le, euh, le, celui hein, qui connaissait, il faisait partie de ceux qui connaissaient le mieux le livre d'Allah. C'est celui dont le messager d'Allah s'était étonné de sa lecture. Donc il faisait partie des lecteurs, hein, ceux qui connaissaient et ceux qui lisaient hein, euh, le, des plus connus du livre d'Allah subhanahu wa ta ala, et le messager d'Allah s'étonnait de sallallahu alayhi wa sallam, hein, Il s'est étonné de sa lecture et le messager d'Allah dans une traduction approximative a dit « Celui qui veut écouter le Qur'an comme il est descendu, qu'il écoute la lecture » D'Ibn Umm Abd, hein, d'Ibn euh, Mas'ud. Et même le prophète Aleyh, lui avait demandé, ordonné de lire pour lui. Le messager euh, Ibn Mas'ud avait répondu Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment pourrais-je te lire le Coran alors qu'il est descendu sur toi Qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah lui répondit J'aime l'entendre d'autres que moi hein? Abdallah... Ensuite Abdallah ibn dit J'ai lu, je lui ai lu le Coran Du début de la sourate Nisa Jusqu'à avoir atteint La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب والشاهد من هذا دونك لو بوين تيموان دو سولا ici Le mérite d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. al nous dit le, euh, le point témoin ici, c'est euh, le mérite de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Donc, bien entendu, hein, on sait que c'était un des plus grands savants à l'époque, de son époque, et il a beaucoup de versions hein, il a rapporté beaucoup du messager d'Allah Ali salatou wassalam muftiyan min mashahir al muftiyin min as-sahaba donc il faisait partie hein, de ceux qui délivraient qui avaient le plus de connaissances et qui délivraient des questions religieuses euh, parmi les plus connues, parmi les compagnons donc ces bienfaits étaient nombreux ses bienfaits étaient nombreux. il fait partie. il a fait partie des. il a fait partie de ceux qui nous ont précédés. il a fait partie de euh, des premiers. Hein? des premiers. des premiers qui nous ont précédés, c'est-à-dire des, des siècles bénis, les trois euh, premiers siècles. Alors, dans quelques voyages, hein, voyages lorsqu'ils étaient les compagnons en voyage, ça c'est un récit que nous rapporte Sheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne Ibn anhu. Donc, lorsqu'ils étaient en voyage, les compagnons, Abdullah Ibn anhu, il avait. Il avait escaladé un arbre. Il avait escaladé un arbre. Les compagnons ont vu ces lorsque les compagnons ont vu ses chevilles ont vu ces chevilles. Hein, euh, ils ont rigolé. Ils ont rigolé. Le messager d'Allah, Ali Salatu leur a répondu, leur a dit. Vous rigolez sur, hein, vous plaisantez sur, vous vous moquez quoi. Vous rigolez sur ces, euh, ces chevilles. Hein. Le Messager d'Allah, à salem dit Elles auront plus de poids sur la balance que la montagne de Uhud, que la montagne de Uhud, que la montagne de Uhud. Donc, la cause qui fait qu'on a mentionné, Shir al fawzan nous dit la cause, euh, la cause qui fait que Ibn Mas'ud a été mentionné dans ce hadith, c'est que Ibn Mas'ud a anhu, a vu sur sa femme Zaynab, anha. Il a vu sur euh, sur le cou de Zaynab, sur le cou de Zaynab, il a vu un fil. Ensuite, il a dit à ibn Masrour :« Oh, vous, gens de la famille de Abdullah, vous êtes au-dessus. Vous vous passez, hein, vous vous passez du polythéisme. » Et ensuite, il lui dit, Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire Les formules de conjuration, les amulettes hein, euh, et les colliers sont, sont euh, du. Donc ensuite, ibn Mas'ud, il dit à Zeynab j'ai entendu le messager d'Allah, les dire les formules de conjuration et les amulettes et les euh, tout ce qui est collier, tout ça, cela est du polythéisme. Donc, Ibn Mas'ud qu'est-ce qu'il a fait Il a arraché bien entendu ce fil. Il a, il l'a blâmé sa femme de cette action et il lui a mentionné la preuve de la sunna du prophète alayhi donc Ibn qu'est-ce qu'il a fait il lui a arraché ce, ce, ce fil hein? il l'a blâmé sa femme pour cette action pour cette œuvre. Zakara Ad-Dalil, il a mentionné la preuve, et il a mentionné la preuve de la sunnah du prophète dans la sunnah du messager d'Allah en disant les formules de conjuration, les amulettes, les colliers, tout ça c'est du polythéisme. Et ensuite il nous dit, et après, hein, ça va venir l'explication de ces trois choses dans le hadith, les formules de conjuration et ce qui suit, les amulettes et les colliers. Taïb. Subhanakallah wa umbi hamdik wa ashhadu an la ilaha ila ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi adhima'in